Samedi 30 juillet 2022, voici les titres de ce journal. Avec plus de la moitié du territoire burkinabé sous l'emprise des groupes armés, des milliers d'écoles fermées et plus de 2 millions de déplacés internes, la situation du Burkina Faso ne s'arrange toujours pas. À cet effet, l'ancienne ministre des Affaires étrangères sous le régime du président Roch Kabore, ainsi que les journalistes Abdoulaye Barry et Bouraïmon Ouédraogo, ont créé le mouvement burkinabé uni pour la transformation sociale. Leur objectif, à unir toutes les intelligences et les énergies afin de sauver le Burkina Faso. Et c'est aujourd'hui qu'a eu lieu la cérémonie d'hommage des 8 mineurs de Perkoa. Les défunts ont été décorés à titre posthume au rang du chevalier de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec agrafe, mine et carrière. Une cérémonie qui s'est tenue hier, excusez-moi, riche en émotions, qui a connu la présence de plusieurs personnalités et que vous découvrirez dans un instant. Direction le centre-sud du Burkina Faso avec le Premier ministre qui est allé encourager les forces vives de la localité mobilisées pour le nettoyage de l'hôtel administratif du lycée provincial et du stade régional de Monga dans le cadre de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. Une initiative du gouvernement de la transition qui sera exécutée dans toutes les localités de la région. Messieurs, dames, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonsoir et merci de nous suivre. Ce 30 juillet, l'ancienne ministre des Affaires étrangères du président Roch Kabore, Rosine Koulibaly, ainsi que les journalistes Abdoulaye Barry et Bouraïmon Ouédraogo ont présenté officiellement leur nouvelle organisation de la société civile, baptisée Burkinabé Unie pour la transformation sociale, en abrégé BUT. Ce mouvement s'est fixé pour objectif de fédérer toutes les intelligences et les énergies afin de sauver le Burkina Faso. À noter que le pays désormais intègre subit depuis 7 ans déjà les attaques des groupes armés avec 2 millions de personnes déplacées internes. C'est un reportage signé Michael Tougri. C'est un appel lancé par les membres du mouvement Burkinabé Unis pour la transformation sociale BUT pour sauver le Burkina Faso face au péril terroriste. Plus de la moitié du territoire burkinabé est sous contrôle des groupes armés. C'est le constat amer fait par Rosine Koulibaly et ses camarades. Des milliers d'écoles fermées et plus de 2 millions de Burkinabés sont des déplacés internes. La situation est extrêmement grave selon la coordonnatrice de ce mouvement et pose même l'existence du Burkina Faso. Il faut agir au plus vite pour sauver la patrie, explique l'ancienne ministre des Affaires étrangères du président Roch Christian Kabore. Le Burkina Faso est à la véritable croisée des chemins. Le constat est implacable et amer. Disons-le tout net, nous manquons d'anticipation et de perspectives claires. Osons bien le dire, d'un certain nombre de manquements et de l'incapacité de nos dirigeants au cours de notre histoire nationale. Rien que la présente transition à en juger les 6 premiers mois de son instauration ne nous permet pas d'entrevoir avec sérénité le bout du tunnel. Où allons-nous? Cette réalité doit nous interpeller tous et nous inviter à l'action afin que les politiques publiques soient effectivement orientées vers la cohésion sociale, la paix et le développement socio-économique. Le MPSC, le 24 janvier dernier, avait évoqué la dégradation de la situation sécuritaire pour renverser le président Roch Christian Kabore. Le constat du mouvement burkinabé pour la transformation sociale, 6 mois après, la situation n'est guère reluisante. Les premiers responsables appellent ainsi à un recadrage des organes de la transition en vue de redéfinir un nouveau contrat social dont la priorité reste la restauration du Burkina Faso et le retour des déplacés internes dans les localités d'origine. C'est à nous et à nous seuls de faire la gloire de cette nation qui a tant souffert et continue de souffrir durement par notre faute commune à nous tous. La patrie nous appelle à Yéouli Fassoye, Burkinbi, Yiki, Tengayina. Ça peut changer, ça doit changer. Et ça changera de gré ou de force. Toi, t'es kamé, Segedan t'es kamé, Nan t'es kamé, Tek Songo, la boum kanaye. La souffrance a trop duré, l'incertitude a trop duré, l'instabilité institutionnelle a trop duré.
sur cette terre de nos ancêtres. Le mouvement Burkinabé Uni pour la transformation sociale, BUT, est une organisation de la société civile apolitique. Les premiers responsables du BUT à cette cérémonie de lancement ont invité les Burkinabés à rejoindre le mouvement dans la lutte pour une justice sociale, la paix et la sécurité retrouvée au Burkina Faso. Eh bien, nous poursuivons ce journal avec la cérémonie d'hommage et d'inhumation des 8 mineurs décédés à Percoa et décorés à titre posthume qui s'est tenue ce vendredi 29 juillet 2022 à Réau, dans la province du Sanguier. Plusieurs personnalités ont répondu présentes à cette cérémonie. Famille, amis et connaissances étaient également présents pour témoigner de leur soutien aux familles endeuillées. À noter que les défunts ont été faits chevaliers de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec agrafe, mine et carrière. C'est un reportage de Alexis Mwenkouni. L'instant est solennel et l'émotion est vive à l'arrivée des 6 corps des 8 victimes de la mine de Percoa décédées suite à l'inondation survenue après les pluies diluviennes du 16 avril dernier. Charles Bama, Bayala Hervé, Yiboula Isaïe Bayala, Aimé Fulgence Bationo, Thierry Bayala et Jean-Noël Bationo ont été élevés à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre de mérite du commerce et d'industrie avec agrafe mine et carrière. Ils sont partis, laissant derrière eux des veuves enceintes, des orphelins, tous inconsolables. Et tout chemin a une fin, une destination. Chacun sur son chemin, chacun est sur son chemin. Certains ont des chemins longs, d'autres des chemins courts. Mais chacun arrivera à destination. Mais quand? Chaque jour, posons toujours des actes positifs afin que le jour que vous allez arriver à bout, au bout donc de votre chemin, les traces de vos pieds laissés puissent servir de baromètre. Vos passages restent et resteront ineffaçables. Les parents des disparus, leurs collègues, les autorités administratives, coutumières, religieuses étaient également présents à cette cérémonie. Prenant la parole après l'observation d'une minute de silence à la mémoire des disparus, le représentant des travailleurs de la mine a souhaité que les responsabilités soient situées. Bon poste en toute sécurité, qui est le souhait journalier avant toute activité, n'a pas marché ce jour fatidique du 16 avril 2022. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons tous notre part de responsabilité dans ce drame. Notre souhait est que les responsabilités soient situées et que plus jamais cela ne se reproduise nulle part au Burkina et que plus jamais cela ne se reproduise plus jamais nulle part ailleurs dans le monde. Au nom des premiers responsables de la mine de Percoa, dit-il Moussa Palinfo, directeur pays de Nantou Mining à Percoa, a rendu hommage aux 8 mineurs décédés. Il dit être durement éprouvé par la disparition de ses collègues et exprime sa profonde compassion à l'endroit des familles et proches. À la suite de cette cérémonie, une messe d'absoute a été donnée à l'église Saint-Alphonse de Réau. Présent à cette cérémonie d'hommage, le gouvernement a présenté ses condoléances aux différentes familles des disparus. Une cérémonie très émouvante parce que quand on regarde ceux qui ont perdu la vie, des jeunes avec un âge variant entre 27 et 46 ans, des jeunes à la fleur de l'âge qui pouvaient toujours nous apporter beaucoup, qui ont contribué au développement du pays à travers leur boulot. Et quand on regarde les familles, vous voyez qu'on a des jeunes femmes aujourd'hui qui sont inconsolables, avec des jeunes enfants qui doivent grandir sans père. C'est dire que vraiment c'était une cérémonie émouvante. Et ce que nous pouvons faire, c'est de prier en tout cas Dieu pour que les âmes reposent en paix et que Dieu, dans sa miséricorde, étende sa main sur ses enfants qui grandissent dans la paix. Après l'étape de l'église, les corps des 6 mineurs burkinabés ont été enterrés au cimetière catholique de Réau, accompagnés d'une foule immense, pendant que ceux des 2 expatriés sont gardés pour être rapatriés dans leur pays respectif.
Voilà, après sa nomination en Conseil des ministres, le général de brigade Vinta Somé a reçu ses épaulettes ce vendredi 29 juillet des mains du président du Faso. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance pour cette promotion qu'il dédie à ses parents, ses défunts parents, tout en faisant cas de la situation sécuritaire délicate du Burkina Faso. Les images de la cérémonie commentées par Sonia Cocti. Nommé par décret il y a 2 semaines, c'est ce 29 juillet que le général de brigade Vinta Somé reçoit ses épaulettes des mains du président du Faso, tout en remerciant ses proches pour leur soutien et en dédiant cette promotion à ses défunts parents. Le général de brigade s'est montré reconnaissant face aux premières autorités burkinabè. Toute ma reconnaissance et ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président du Faso, président de la transition, chef suprême des forces armées nationales, ainsi que aux plus hautes autorités militaires et politiques qui ont permis cette nomination. Je dédie dans un premier temps cette nomination à mes défunts parents, ensuite à ma famille, pour son amour et son soutien indéfectible qui m'ont permis de me donner au mieux de mes capacités tout au long de mon cheminement. C'est une promotion que je dédie à mes aînés auprès de qui j'ai beaucoup appris, à l'ensemble des hommes et des femmes qui ont été mes précieux collaborateurs tout au long de ma carrière. En recevant ces épaulettes, j'ai une pensée pieuse pour tous ces héros tombés sur le champ de bataille, ces personnes déplacées internes qui subissent les affres de cette guerre injuste qui nous est imposée. Ce sont aussi les mots du général de brigade Vinta Somé. Face au contexte actuel, il a confié mesurer la portée de sa charge. C'est pourquoi je voudrais renouveler ma totale disponibilité à œuvrer du mieux que je pourrai dans le cadre de cette lutte, et contribuer ainsi à remporter la victoire contre l'idée terroriste. Le général de brigade Vinta Somé, 58 ans, occupait le poste de chef d'état-major adjoint des armées. Il fut également commandant du Pritané militaire du Kadiogo après un passage à l'Académie militaire Georges Namwano et un diplôme d'état-major au Mali. Cap sur la région du centre-sud du Burkina Faso, où le Premier ministre était ce 30 juillet dans le cadre de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville, lancée en avril dernier par les autorités du Burkina Faso. Occasion lui a été donnée d'encourager les forces vives de la localité mobilisées pour le nettoyage de l'hôtel administratif, du lycée provincial et du stade régional de Manga. Il lance donc un appel à toute la population à adhérer à l'opération afin de rendre la ville propre. Suivons ce reportage de Abdelrahim Nyenye. Après Koudougou en fin juin, c'est Manga dans la région du centre-sud qui a accueilli le chef du gouvernement pour le 4e mois de l'opération Manamana, mon acte patriotique pour ma ville. De l'hôtel administratif au stade régional en passant par le lycée provincial, le premier ministre avec une daba en main a donné l'exemple. Pour le chef du gouvernement, il est important d'assainir son cadre de vie. Albert Ouedraogo a encouragé les forces vives mobilisées pour rendre ces lieux propres. Il se réjouit de l'engouement autour de l'opération qui non seulement permet de débarrasser les villes des ordures, mais aussi de renforcer la fraternité. L'opération que nous avons lancée, c'est aussi un signe, c'est aussi un facteur de cohésion sociale. Nous croyons que c'est un facteur de cohésion sociale parce que si nous pouvons nous mettre ensemble pour, bien sûr, nettoyer nos localités, il n'y a pas ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Et c'est justement ce message que je voudrais passer. Et également appeler les populations à ne pas se limiter à cette opération seulement. Et dire que chaque citoyen doit être un acteur de la lutte contre l'insalubrité dans nos villes et nos villages. Et ça aussi, c'est le message aussi qu'on voudrait passer. Les autorités de la région du centre-sud ont salué la présence du chef du gouvernement à leur côté. Elles ont réaffirmé leur adhésion à cette initiative du gouvernement de la transition qui sera exécutée dans toutes les localités de la région, selon la gouverneure de la région du centre-sud. C'est pour nous l'occasion de manifester l'adhésion de l'ensemble des forces vives de la région du centre-sud pour ce projet d'intérêt général, qui est d'assainir nos villes et campagnes au niveau de la région. Et nous sommes présentement à Manga, mais sachez que dans les autres provinces, que ce soit le Naouri et le Bazega, l'opération aussi se déroule là-bas.
Et notre ambition dans les mois à venir, c'est d'étendre dans les secteurs et dans les villages pour que ce projet vraiment soit implémenté jusqu'au niveau ménage. Cette visite du Premier ministre au Centre-Sud entre dans le cadre de son engagement, celui d'encourager les forces vives des 13 régions du Burkina Faso pour une adhésion totale à l'initiative. Une initiative qui, faut-il le rappeler, consiste à mobiliser les populations tous les derniers samedis du mois pour le nettoyage des lieux publics. Toujours dans la même optique, celle de l'assainissement du cadre de vie et de travail qui se poursuit à travers l'opération Manamana. La mairie centrale a établi un chronogramme rotatif qui permettra donc de sillonner les 12 arrondissements. Et ce dernier samedi du mois de juillet, le marché du théâtre populaire situé dans l'arrondissement numéro 1 de Ouagadougou a connu un grand coup de balai. Sans plus de commentaires, les détails en images dans ce reportage de Mamidriana Kamabou. Munis de balais, de pelles, de râteaux et de brouettes, ils étaient nombreux à répondre présents à l'appel. La satisfaction est donc au rendez-vous pour l'opération du jour qui a mobilisé les autorités administratives, coutumières, religieuses, des structures associatives, des commerçants et les habitants de l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Tous ont un seul objectif, rendre le marché du théâtre populaire propre. Le gouverneur de la région du centre a saisi l'occasion pour sensibiliser les commerçants et les habitants de ce quartier à pérenniser l'opération afin de garantir un cadre de vie sain. Il les a invités à adopter la culture de la citoyenneté. L'appel qu'on lance aux autres arrondissements, c'est d'amener exactement la même activité pour que nous puissions garder propre nos lieux et surtout qu'après cette activité, nous puissions le maintenir propre. C'est ça qui est très important. Et ça s'inscrit dans le cadre également de la cohésion sociale. À travers cette activité, vous voyez que les gens se sont retrouvés ensemble et c'est ce que nous prônons. C'est ce que la transition prône, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la solidarité agissante. Le choix de ce site fait suite aux dénonciations des citoyens à travers des émissions interactives. Les autorités de l'arrondissement 1 demandent aux commerçants qui sont les acteurs de ce marché à garder ce lieu propre pour le bonheur des populations. Nous souhaiterons également qu'à la fin, les commerçants donc puissent prendre le relais pour en tout cas maintenir les lieux propres. Nous souhaiterons en tout cas qu'à travers donc, cette activité, que les commerçants organisent d'eux-mêmes et mettent en place en tout cas une structure qui va suivre en tout cas la sécurité donc, du site. Nous souhaitons en tout cas que ce soit une activité quotidienne qui sera menée par les commerçants. Le coordonnateur adjoint de l'environnement de l'arrondissement 1, lui, souhaite qu'au-delà de la sensibilisation, l'État doit prendre des mesures rigoureuses pour lutter contre l'insalubrité. Il suggère même que les gens soient sanctionnés sévèrement. Et puis ce vendredi 29 juillet, six ministères ont tenu leur revue couplée annuelle 2021 et à mi-parcours 2022 du cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative et locale. L'objectif de cette rencontre, évaluer le rapport de performance du plan d'action sectoriel de la transition mis en œuvre par les ministères concernés. Le document mentionne plusieurs acquis engrangés, mais des insuffisances y demeurent. Les acteurs ont donc formulé des recommandations en vue d'améliorer la mise en œuvre du plan d'action sectoriel et de la transition. C'est un reportage de Sarah Kabore avec la voix de Cheikh Omar Odraogo. Le dispositif de suivi évaluation de la politique nationale de développement laisse apparaître une bonne performance de six ministères sur la période 2021 au premier semestre de 2022. La mise en œuvre des différentes actions de développement s'est faite dans un contexte difficile, marqué par la crise sécuritaire et la pandémie de la maladie à coronavirus. Malgré cela, des acquis ont été engrangés, notamment la mise en œuvre des actions de réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Au niveau de la gouvernance locale, nous avons pu tenir la 7e session de la conférence nationale de la décentralisation, donc qui s'est penchée sur la problématique du financement des collectivités territoriales. Nous avons pu également renforcer le financement des médias privés à hauteur de 400 millions de francs CFA. Au niveau de la
gouvernance administrative, nous avons travaillé à améliorer l'accès des citoyens aux services publics, essentiellement par la dématérialisation des procédures administratives et la simplification des procédures administratives. Au titre de la communication, nous avons pu également adopter la stratégie nationale de communication gouvernementale en temps de crise. Des acquis ont été engrangés, certes, mais des difficultés demeurent. Ces représentants des ministères et institutions vont donc réfléchir sur des mesures et actions à entreprendre en vue d'améliorer la mise en œuvre des actions. À ce sujet, les partenaires techniques et financiers font des propositions. Le renforcement des structures gouvernementales au niveau local, la lutte contre la corruption, le renforcement des liens avec la société civile qui est aussi présent aujourd'hui et qui joue un rôle très important pour rendre plus efficace le gouvernement au niveau local et l'administration territoriale. Il faut rendre effectif l'ADTC, donc l'Agence de développement des collectivités territoriales, et un grand boulot à faire. L'ensemble de ces amendements seront pris en compte dans les documents finaux et seront transmis au secrétariat exécutif de la politique nationale de développement. Le comité d'organisation du Salon de la publicité et de l'édition en abrégé SAP a animé une conférence de presse ce mercredi 27 juillet à Ouagadougou. Le but de cette rencontre avec les hommes de médias était d'annoncer la tenue de la deuxième édition du SAP placée sous le thème « Impact du numérique sur les métiers de la publicité et de l'édition, défis et enjeux ». Plus de détails dans ce reportage de Annie Gladisda avec la voix de Wanlacida Kabore. Impact du numérique sur les métiers de la publicité et de l'édition, défis et enjeux, c'est sous ce thème que se tiendra la deuxième édition du Salon de la publicité et de l'édition SAP. Cette rencontre permettra aux acteurs du secteur d'échanger sur les opportunités et les défis qu'offre le numérique, de son impact sur l'évolution des emplois, des solutions agiles de travail et sur le modèle économique existant et son évolution. Ce sont entre autres les questions qui seront abordées au cours de cet événement. Aujourd'hui, tu réponds à ton téléphone partout. Les nouvelles te suivent partout sur ton téléphone. Donc tout ça, ce sont les innovations dues au numérique qui ont impacté les métiers. Donc ce qui a entraîné la disparition de certains métiers et la création de nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, si on continue de former des gens pour des métiers qui n'existent plus, on va avoir un problème sur le marché. Au cours de cet événement, les participants venus des différents pays d'Afrique vont découvrir des innovations techniques, technologiques et du savoir-faire des entreprises locales. Pour cette deuxième édition, plusieurs activités sont au programme. Des experts, des fournisseurs d'équipements et de services, des financiers et des décideurs débattront sur le thème principal au cours du panel. Ceci permettra aux participants de renforcer leurs capacités dans le domaine du numérique. La SAP de cette année, c'est un concentré d'activités qui touche nécessairement ceux qui offrent les techniques de communication, ceux qui en bénéficient, donc il est question des professionnels, mais également les bénéficiaires de ces techniques-là. Mais c'est également un clin d'œil à l'endroit de ces personnes qui deviendront demain des techniciens en matière de communication. La SAP, c'est des panels qui vont s'adresser à l'ensemble des professionnels du domaine. C'est également un concours qui va primer et reconnaître le talent des acteurs de cette industrie d'aujourd'hui. Le Salon de la publicité et de l'édition, selon les organisateurs, a pour objectif de former les jeunes compétents et professionnels afin qu'ils puissent se défendre et défendre le Burkina Faso sur le plan technique et technologique à l'international. Le modèle du SAP Academy adopté l'année dernière, nous l'avons fait directement dans des écoles. Nous étions, je ne sais pas si je peux le dire, dans certaines écoles supérieures, mais c'était limité. La portée était limitée uniquement aux étudiants de ces écoles. Donc pour cette édition, nous avons décidé d'ouvrir plus large, parce qu'on souhaite atteindre le maximum de jeunes possible. C'est pour ça que nous avons choisi d'aller sur un site neuf et d'inviter toutes les écoles et universités de la place pour qu'ils sensibilisent leurs étudiants, pour qu'ils s'inscrivent et qu'ils participent. En rappel, le Salon de la publicité et de l'édition SAP a été initié en 2021. Ce salon est à sa deuxième édition et se tiendra du 7 au 15 octobre prochain.
Et ce 30 juillet, le secrétariat national des jeunes du Parti panafricain pour le salut a organisé une opération de collecte de 1000 poches de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine, CNTS. Une opération qui compte se tenir pendant 48 heures au siège même de la structure politique. Un reportage de Alexis Menkouni et Belém Naba. Cette cérémonie marque le lancement officiel de l'opération de collecte de 1000 poches de sang, initiée par le secrétariat national des jeunes du PPS, le Parti panafricain pour le salut. L'objectif est d'apporter leur contribution au Centre national de transfusion sanguine, qui en cette période est en manque de sang pour des patients. Une opération de collecte de sang dite de solidarité pour sauver des vies. Je suis à ma quatrième fois de donner mon sang et également pour moi, sachant que le sang est un liquide précieux, nous avons impulsé ensemble avec les jeunes de notre parti cette dynamique-là. Et parce que vous saviez que c'est ensemble que nous pouvons quand même nous entraider, c'est ensemble également que nous pouvons sauver des vies et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Étant femme, et au jour d'aujourd'hui, il se trouve peut-être que des femmes sont sur des tables d'accouchement aujourd'hui et qui sont en besoin de sang. Et des enfants peuvent être aussi couchés à l'hôpital, malades de palu et en besoin de sang. Et alors, il y a des accidentés aussi. Pour dire que donner son sang, comme on aime le dire, c'est pour sauver des vies. Une initiative faite sous la supervision de Hervé Konaté, troisième vice-président du Parti panafricain pour le salut, qui salue l'engagement des jeunes pour sauver des vies. Vous savez que nous sommes en période hivernale et c'est une période où le liquide précieux est très sollicité et malheureusement à cette période aussi les élèves et étudiants sont en vacances et donc notre jeunesse est dirigée par le camarade Luc Arnaud Compaoré a vu juste et a dit qu'il fallait qu'on organise cette opération sur 2 jours pour pouvoir récolter 1000 poches de sang afin de venir sauver des vies. Cette opération de collecte est également saluée par le Centre national de transfusion sanguine, dont le besoin en sang est important en cette période où le paludisme fait rage. Et je sais que chez nous, à peu près chaque jour, nous pouvons distribuer au moins 50 poches par jour. C'est uniquement sur la demande du CHR, de PADA. Voilà, bon, les autres CTS, je ne sais pas à peu près. Mais chez nous, je sais que par jour, on peut quand même distribuer 50 poches sur la demande du CHR, de PADA. Cette opération de collecte de sang dans la région du centre est une première pour ce parti qui compte étendre l'initiative dans les autres régions du pays. Le parti a également initié des dons de vivres dans les localités de la boucle du Mouhoun et du Gourma. Une invite est faite aux autres structures associatives ou politiques d'emboîter le même pas. Les menstruations, un passage obligatoire pour toutes les femmes et qui est toujours considéré comme un tabou au Burkina Faso. Leur première apparition est considérée chez la jeune fille comme une période de honte et d'isolement. L'association Palobdé, qui signifie en langue morée « on ne jette pas », veut briser le tabou. C'est alors qu'elle a organisé ce samedi 30 juillet une conférence pour échanger avec les jeunes filles et les parents d'élèves autour du syndrome prémenstruel. Une rencontre dont l'objectif est de sensibiliser les adolescentes à ne pas paniquer et à mieux gérer l'apparition de leurs premières règles. C'est un reportage de Sarah Kaboré avec la voix de Mamedriana Kamabou. Processus physiologique chez toute femme normale, les menstrues surprennent et bouleversent les adolescentes. Dès la première apparition, cela provoque très souvent la panique et le sentiment de gêne chez beaucoup de jeunes filles. L'association Palobdé lève le voile sur ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Cette journée est donc mise à profit pour apprendre à ces adolescentes à vivre sainement et en toute quiétude leur moment de menstrue. À l'arrivée des règles, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme de la femme et également quels sont ses ressentis, quelles sont ses émotions, comment elle se sent. Et parfois, on remarque qu'en classe, certaines filles peuvent dormir parce qu'elles se sentent mal. Soit elles ont des migraines, soit même elles ne se sentent pas très bien. Donc c'est tout cela que nous voulons aborder pour qu'on puisse savoir que notre
corps, ce n'est pas quelque chose de mécanique, mais c'est une horloge interne qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous permet vraiment de vivre. Pour qu'à chaque mois, nous ayons ces règles et c'est à travers ces règles que nous donnons la vie. À travers les différentes interventions et conseils du jour sur les menstruations, ces adolescentes ont compris que sans les menstrues, elles ne sont pas femmes. Et c'est une situation qu'elles devront vivre chaque mois jusqu'à un certain âge. J'ai retenu qu'après l'apparition des seins, comme ce que l'infirmière a dit, on peut le dire, il y a 2 ans après que les règles viennent. Donc, c'est ce que j'ai appris. Donc, si tu vois tes seins commencer à pousser, tu dois te préparer. Tu dois savoir que 2 ans après, tu vas voir en tout cas tes règles. Mais il faut parler de ça. Il ne faut pas avoir honte. C'est quelque chose de naturel. C'est ça aussi qui définit la femme. Dorénavant, je dois parler des règles sans tabou à mes copines et qui n'en connaissent pas assez. Et sur les règles, tout. Je pense que c'est quelque chose de naturel. Il ne faut pas avoir de honte pour parler des règles. Cette conférence avait également pour objectif de donner des stratégies de communication aux parents afin qu'ils puissent aborder facilement et sans aucune gêne ce sujet sur la menstruation avec leurs filles. On rappelle, l'association Palobde signifie en langue morée « ne jette pas ». Elle fait la promotion de serviettes hygiéniques réutilisables. En plus de cela, elle œuvre également à ce que les menstrues ne constituent pas un handicap à l'épanouissement des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso. Ici, pour enfin ce journal, je vous dis au revoir sur cette belle citation de Paul-Émile Victor qui dit ceci, la seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.